Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Alors merci d'avoir accepté cet échange. Tu le sais peut-être, il y a quelques semaines, en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange tout à fait intéressant avec Frédéric Lavacherie autour en particulier, notamment plutôt de l'affaire du trou. Ici, en fait, avec toi, Jacques, nous souhaitions parler de l'affaire d'Outreau. Alors, peut-être pour situer un petit peu cette affaire pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne s'en souviennent pas du tout, parce qu'effectivement, ça ne remonte pas à aujourd'hui. L'affaire d'Outreau, en fait, c'est une affaire pénale d'agression sexuelle sur mineurs concernant des faits qui se sont déroulés entre 97 et 2000. Elle a donné lieu à un procès devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du 4 mai 2004 au 2 juillet 2004, puis Absolument. un procès, un appel auprès de la Cour d'appel de Paris en novembre 2005. Enfin, un procès à Rennes en 2015 devant la Cour d'assises pour mineurs d'Ille-et-Vilaine. Alors, l'affaire a débouché en fait sur l'acquittement de la plupart des accusés, avec 13 innocentés et 4 jugés coupables. 12 enfants sont reconnus par la justice victimes de viols, d'agressions sexuelles, de corruption, de mineurs et de proxénétisme. Alors c'est une affaire évidemment, Jacques, on en parlera, qui a suscité justement une forte émotion naturellement dans l'opinion publique et mis en évidence notamment des dysfonctionnements de l'institution judiciaire et des médias. La lutte contre la pédocriminalité est annoncée comme prioritaire depuis 1996 au plus haut niveau de l'État. Une commission d'enquête parlementaire a d'ailleurs été mandatée en décembre 2005 pour analyser les causes des dysfonctionnements de la justice dans le déroulement de cette affaire et proposer d'éventuelles réformes sur le fonctionnement de la justice en France. Alors, je viens de le dire, évidemment, Jacques, c'est une affaire relativement ancienne et du coup, ma première question pour toi sera évidemment de te demander finalement en quoi, entre guillemets, cette affaire nous intéresse-t-elle encore en 2022? Et alors également peut-être de savoir d'où tu parles pour que l'on sache effectivement un petit peu qui tu es, pourquoi tu t'intéresses à cette question tout à fait particulière qui est donc la question relative à l'affaire d'Outreau. Alors, pour répondre à la première question, je dirais que d'abord l'affaire d'Outreau et sa résolution devant les différents tribunaux a porté dommage à la crédibilité de la parole des enfants, puisque pour moi, il y a bien un avant Outreau et un après Outreau. C'est-à-dire que depuis l'affaire d'Outreau, la parole des enfants victimes est le plus souvent contesté, et notamment par les avocats de la défense des présumés, en disant attention, attention, ne refaisons pas les erreurs d'Outreau. Outreau est considéré par le grand public comme une énorme erreur judiciaire qui a été, disons, plus ou moins bien traitée ensuite, puisque les gens ont été acquittés, etc., etc. Mais les conséquences, c'est d'abord la crédibilité aujourd'hui de la parole des enfants. Et au bout de 20 ans, on commence tout juste à considérer qu'effectivement, les enfants, la plupart du temps, quand ils parlent, ils ont des choses à dire et il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut les entendre, il faut faire quelque chose. Donc ça a été, dans la protection de l'enfance, un recul, un pas en arrière, extrêmement important. Bon, ce n'est pas pour ça que l'affaire d'Outreau a existé, bien entendu. Ce n'est pas paranoïaque, hein. Alors, je me suis intéressé à ça par hasard, parce que j'étais dans une institution religieuse comme toi, mais je crois, hein, mais c'était ton cas, je n'ai jamais eu affaire à de problèmes particuliers et je n'étais pas sensible. Moi, je suis enseignant, hein, j'enseignais la littérature et le théâtre. J'avais dans mes classes en Picardie, quand j'étais jeune prof, effectivement entendu parler de familles incestueuses, mais pour moi, c'était quasi anecdotique. C'était des familles de forains, de je ne sais quoi. Enfin, pour moi, c'était un peu ce qu'on appelait le lumpenprolétariat. Je pensais que c'était réservé qu'à ces milieux-là. Bon, et puis j'ai fait ma vie, j'ai eu des enfants, etc., etc. Et je m'intéressais pas particulièrement. Je me suis intéressé à d'autres sujets, comme par exemple la destruction des Juifs d'Europe, etc., la Shoah, tout ça m'a beaucoup concerné parce que mon père était résistant, donc j'ai essayé de continuer à chercher à comprendre ce que l'homme avait fait à l'homme, comme dit Primo Levi, comment c'est possible des horreurs pareilles. Et puis un jour, par hasard, à la télévision, j'ai vu Luc Ferry. Alors je ne sais pas, peut-être tu te rappelles de cet épisode, Luc Ferry, qui parlait de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, l'affaire du Sofitel de New York.
Et Luc Ferry défendait, qui était toujours ministre, je crois, défendait l'idée qu'on pouvait effectivement parler de choses comme ça sans donner, sans révéler le nom des personnalités mises en cause. Ça pouvait porter préjudice, c'était pas bien. Donc on aurait pu parler de l'affaire Strauss-Kahn sans citer Strauss-Kahn. Et pour appuyer ses dires, il s'appuyait sur un petit article du Figaro qui disait qu'un ministre de la République française s'était fait poisser à Marrakech en compagnie de petits garçons et que le consulat de France à Marrakech était intervenu rapidement, avait exfiltré le ministre en question. Et Luc Ferry disait, ben voyez, on a jamais donné son nom, même si tout le monde, et je cite, hein, même si tout le monde sur ce plateau sait de qui il s'agit. Alors évidemment, sur le plateau, il y avait, je ne sais plus qui, mais il y avait Jean-François Kahn notamment, et tout le monde s'en regarde dans le blanc des yeux en disant, mais attendez, ce que vous dites, c'est un ministre de la Culture, qui pourrait être pédophile, monsieur Luc Ferry, vous en dites trop ou pas assez, c'est pas possible de dire des choses pareilles. Et Luc Ferry qui continue en disant, oui, mais je le tiens des plus hautes autorités, du premier ministre de l'époque, il m'avait dit, vous savez, bon, machin, bon, etc., etc. Alors, gêne, après, bon, alors une enquête est un peu hypocritement menée, on ne trouve rien de spécial, tout va bien, etc., etc. Mais moi, je commence à mettre le doigt là-dedans, en me disant, c'est quand même incroyable, un ancien ministre qui serait donc, au sens propre, pédocriminel, finalement. Et je m'étais mis à Internet à l'époque, c'était dans les années 2010-2012, et je commence à farfouiller, et je tombe sur le livre d'une personne qui est devenue mon amie, Marie-Christine Grison. Marie-Christine Grison était psychologue expert dans l'affaire d'Outreau et elle avait écrit un livre qui s'appelait « Outreau, la vérité abusée ». Moi, l'affaire d'Outreau, à l'époque, j'avais avalé évidemment tout ce qu'on m'avait raconté, comme tous les Français. Bon, voilà, une erreur judiciaire, la justice qui ne fait pas son boulot, des bons avocats qui arrivent, qui font leur travail, qui défendent des pauvres gens qui n'ont jamais rien fait. J'avais avalé ça. Comme tout le monde. Je lis le livre de Christine et je me dis, tiens, c'est marrant, là, il y a un petit caillou dans la sandale du légionnaire, comme on dit, un scrupule. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que elle était actrice de l'affaire. Elle dit, non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, je mets la doigt là-dedans. Et puis, comme bon, j'ai des enfants, des petits-enfants, etc., ça touche les enfants, ça me touche forcément. Et je commence à regarder et je commence à lire. Et ensuite, je m'aperçois que toute la littérature sur l'affaire d'Outreau, il y a eu une vingtaine d'ouvrages quand même sur l'affaire d'Outreau. C'est-à-dire, à titre de comparaison, en France, sur Landru, il y en a eu 10, une dizaine, pas beaucoup. Hein, et sur l'affaire Dreyfus, qui est notre grande affaire judiciaire, il y en a eu une trentaine. Donc, une vingtaine d'ouvrages sur une seule affaire judiciaire, c'est énorme. Et la puce m'arrive à l'oreille, on peut dire. Après un billet de blog sur Mediapart, on écrivait des billets de blog d'un magistrat qui s'appelle Michel Gaston et qui parle des mensonges de Florence Aubenas. Alors évidemment, je lis son billet, j'achète le livre de Florence Aubenas et bon, comment savoir que ce sont des mensonges, j'en sais rien. Et puis un jour, un de mes amis, Jacques Cuvillier, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Outre-Angle-Bord, reçoit, il y a longtemps déjà, dans sa boîte aux lettres, une clé USB dans laquelle se trouve le dossier d'instruction en entier. C'est 30 000 pages, hein, quand même. Le dossier d'instruction est absolument énorme, 30 000 pages. Mais du coup, la retraite arrivant, ça me permet de comparer ce qui est écrit dans la littérature sur l'affaire avec ce qui est mis dans le dossier d'instruction. Et je m'aperçois que non seulement Florence Aubenas a menti, ça je peux le dire publiquement puisque ça a déjà été dit, on n'a jamais eu de problème là-dessus. On n'a jamais été attaqué là-dessus, elle n'a jamais répondu. Et je m'aperçois que non seulement Florence Aubenas a menti, mais tout le monde a menti. C'est-à-dire, ce qui est dans le dossier, il faut bien comprendre, hein, ce qui est dans le dossier d'instruction, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais c'est écrit. Si le dossier d'instruction dit « Madame Badawi a dit noir, tel jour », eh bien, dans la littérature sur l'affaire, il y a marqué « tel jour, Madame Badawi a dit blanc ». Donc, ça ne va pas. Et on appelle ça un mensonge. C'est pas... Alors, après, évidemment, j'ai vu que sur les 20-25 ouvrages qui avaient été publiés sur l'affaire, une bonne vingtaine avaient menti, et surtout avant l'appel, c'est-à-dire entre
Le procès de Saint-Omer et l'appel de Paris, il s'est passé une année, je crois. Tous les ouvrages sont sortis et donc ont pu influencer la décision d'appel qui a été l'acquittement de tout le monde, quoi. Donc, aussi une littérature qui milite en réalité pour la défense. Normalement, c'est interdit, hein. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, on ne peut pas influencer une décision de justice. Voilà comment je suis rentré là-dedans. Alors après, évidemment, ça m'a demandé des années de travail. Ça fait 7 ans que je travaille uniquement là-dessus. Et mon prochain livre va porter sur si je peux me le permettre, sur un seul aspect, parce que c'est tellement énorme, qui est le meurtre d'une petite fille à Outreau, dans les années 1999, voilà, et qui est attesté par des témoignages, alors que la littérature, évidemment, s'engage surtout à le nier, hein, à le nier. Donc, on dit qu'on est des négationnistes, mais ce n'est pas nous qui sommes négationnistes, c'est ceux qui nient les crimes qui sont négationnistes. Si les mots ont un sens. Mais dans ces histoires-là, les mots n'ont plus de sens, parce qu'on est traité de tout ce que tu veux, de complotiste, de... Voilà. Mais, Est-ce que j'ai répondu? bien sûr. Bien sûr. Mais je voulais aussi savoir, Jacques, en fait, comment expliques-tu quelque part le fait que les mensonges dont tu parlais ont pu effectivement quelque part faire autorité judiciaire pour le coup, puisque bon, il y a quand même eu des parties civiles évidemment qui, elles, savent lire un dossier, qui évidemment, le cas échéant, devrait pouvoir tirer au clair et le cas échéant également démontrer que certaines positions effectivement sont mensongères par rapport à la vérité du dossier d'instruction. Donc, comment expliquer qu'in fine, tout ça quelque part soit passé à la trappe pour finalement, comme tu le dis, faire en sorte que la vérité judiciaire sur papier ne corresponde pas forcément à la vérité tout court? Ben, je pense que si tu veux, les parties civiles étaient complètement dépassées et noyées par tout ce qui déferlait. Notre actuel ministre de la Justice s'appelle Dupond-Moretti. Il a toujours dit que c'était la justice qui réglait les affaires, c'était pas le tribunal de l'opinion. Or, je pense que l'affaire d'Outreau, c'est justement l'opinion qui a fait les décisions. C'est-à-dire que la justice a suivi ce mouvement d'opinion qui était absolument massif, comme quoi nous avions affaire à une erreur judiciaire, etc., etc. Donc, ça pose des tas de problèmes, hein, l'indépendance de la justice, notamment. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, ce que le Conseil supérieur de la magistrature, tu sais, ça existe chez nous, hein, je ne sais pas en Belgique comment ça se passe, Conseil supérieur de la magistrature, qui est le garant de l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif, et qui a été convoqué pour sanctionner le juge Burgot. Moi, je pense qu'il fallait sanctionner le juge Burgot. C'était ça au départ. Mais alors, le sanctionner sur quelle base? On n'avait pas trouvé grand-chose en réalité à lui reprocher dans un dossier comme ça. Il avait une centaine de dossiers sur son bureau. C'était un jeune magistrat qui voulait prouver qu'il était compétent. Le zèle de la jeunesse, ça existe, hein. On a dit qu'il était incompétent parce qu'il était trop jeune. C'est faux, c'est pas ça. C'est qu'il travaillait d'arrache-pied pour prouver qu'il était capable. On peut même penser qu'il avait la vocation pour ce métier. Il tombe sur une affaire comme ça. Il avait aussi l'incendie du tunnel sous la Manche sur son bureau, quoi, si on peut dire. Ça faisait beaucoup. Il avait une centaine de dossiers. Donc il travaille d'arrache-pied comme il peut. Et il fait pas d'erreur. Mais quand on lit disons, le compte-rendu du Conseil supérieur de la magistrature, qui va donc sanctionner Burgot, parce qu'il y a une pression, malgré tout, il y a une pression de l'opinion et une pression politique, faut voir un peu les arguments qu'il trouve. Moi, j'ai regardé ça, notamment sur le meurtre de la petite fille, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire, dans le dossier, on a deux témoignages qui sont concordants sur une vingtaine de points. Le Conseil supérieur de la magistrature va ne prendre que les détails qui ne correspondent pas tout à fait. Par exemple, je peux développer un tout petit Oui, peu. bien sûr, vas-y. Par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature reproche à Burgot la chose suivante. Est-ce que la petite... Alors, selon un témoignage, la petite fille avait des tennis. Selon le témoignage, elle avait des baskets. Alors, bon, voilà. Alors déjà, tennis, basket. Le vieux monsieur qui était avec elle, un témoignage dit qu'il a une cinquantaine d'années, l'autre témoignage dit qu'il a une soixantaine d'années. Ah, bah, vous voyez, c'est pas... Voilà. Est-ce que la petite fille a été violée sur le canapé ou par terre?
Est-ce qu'elle avait des dessins fantaisie sur ses chaussures ou est-ce qu'elle n'en avait pas? Est-ce que le drap qui lui a servi à envelopper le corps, il était rose ou il était rouge ou il avait des petites fleurs ou il n'avait pas de petites fleurs? Alors qu'il y a une vingtaine de points concordants qui ne sont pas relevés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature, là, je n'engage que moi en disant ça, mais je pense qu'il a obéi à des considérations d'ordre politique, hein, de sécurité publique, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant que se déroulaient les procès à Saint-Omer, se déroulait en même temps le procès Dutroux. Et l'affaire Dutroux, on voit ce que ça a provoqué en Belgique, hein. La marche blanche, les comités blancs, t'as dû en parler avec Frédéric Lavacherie, hein, qui était membre des comités blancs, ça a été une secousse terrible et une secousse politique. Ah oui, parce que là, les Wallons, les Flamands, les grands-parents, les enfants, tout le monde était dans la rue, hein. On a dit jusqu'à 600 000 personnes dans la rue de Bruxelles. Dans ce contexte-là, une affaire comme l'affaire d'Outreau, bah, ça tombait pas très bien, hein. Comment on allait faire? On ne pouvait pas l'étouffer, c'était trop tard. En plus, Burgot, le juge Burgot faisait son travail. Voilà, la justice allait son train de sénateur, mais avançait quand même. Sauf que les conséquences, ça pouvait être gravissime pour l'équilibre du pays. Donc, je pense qu'il y a eu un choix. On ne pouvait pas étouffer, donc bah, on a raconté des salades à l'opinion publique. Et moi, le premier, bah, j'ai cru, puisque tout le monde le disait. Pourquoi douter de ce que toute la presse dit, de Libération jusqu'à, je sais pas quoi, moi, la presse d'extrême droite, tout le monde disait la même chose. Ben, voilà, j'ai cru jusqu'au jour où j'ai mis le nez dedans et je me suis aperçu que tout était faux. En fait, tout est faux. Je vais un peu vite en disant ça, mais pour moi, c'est une espèce d'affaire d'État. Mais alors, faut pas non plus tomber dans le complotisme. Hein. Ça, c'est ce qu'on nous reproche souvent. C'est l'argument qu'on dresse à notre encontre. C'est de dire, vous êtes négationniste, vous êtes complotiste, vous voyez des élites satanistes, pédophiles partout. Mais non, c'est pas le cas. L'affaire est précise. Pas vu de satanistes dans cette affaire-là. Mais voilà, il y a des enfants qui ont été violés et il y a des enfants qui sont morts. Et peut-être pas une seule, vraisemblablement, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres enfants qui sont morts. Et toi, Donc là, pardon. tu fais aussi clairement une connexion entre l'affaire Dutroux et l'affaire Doutreau. Bah, une connexion, en tout cas, une connexion, oui, psychologique et politique. Je ne sais pas s'il y avait des ramifications. Là, je ne sais pas du tout. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des ramifications entre l'affaire, ce qui s'est passé autour de Dutroux et ce qui s'est passé autour d'Outreau. Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, le contexte était explosif, quoi. Il suffisait d'une étincelle pour que ça n'aurait pas été la marche blanche en France, quand tu connais l'histoire de la France, hein. Parce qu'à l'époque, c'était chaud, il y avait l'IRSTRIM, il y avait des tas de scandales politico-financiers, ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Il n'y avait plus qu'une étincelle et là, tous les Français étaient dehors, hein. De droite et de gauche, ils étaient dehors. Si on touche aux gosses, c'est comme en Belgique, hein. Bien Voilà. sûr. Outreau pouvait être une étincelle, oui. Donc je pense que c'est une histoire qui a été résolue de manière politique, tout simplement. Mais ce n'est pas pour soutenir des pédocriminels. Bien sûr que personne soutient les pédocriminels, même si on a d'anciens ministres pédocriminels, c'est quand même pas la majorité des cas. Faut bien le savoir, quoi. Quand même, faut pas voir partout non plus. Non. Voilà. Mais tu parles effectivement des enfants. Personne n'a priori effectivement ne souhaite effectivement que l'on touche à un enfant. Mais du coup, comment expliques-tu aussi que dans l'affaire d'Outreau, précisément, la parole des enfants n'a pas été entendue à sa juste mesure? Je me l'explique pas. Je me l'explique pas. Les expertises. Qui ont été faites par plusieurs collèges d'experts, Marie-Christine au début, puis d'autres. Il y a eu des contre-expertises qui ont été demandées, ont validé les dires des enfants. Mais alors après, moi je peux pas en dire plus. Moi je peux pas me prononcer sur l'affaire. Hein. Je peux me prononcer uniquement sur la manière dont ça s'est passé, mais je peux pas me prononcer sur le fond de l'affaire. Les enfants n'ont pas été entendus parce qu'il fallait pas accorder du crédit à leur parole. Alors comme c'est des enfants, c'est un petit peu facile si tu veux de dire oui, mais bon. Et puis alors faut voir comment ils ont été interrogés par les avocats de la défense. Ils étaient très jeunes.
Comment il y en a qui ont fini par se taire. Ils avaient peur. Ouais. Voilà. Et au niveau, en fait, Jacques, de ton livre, effectivement, Les imposteurs d'Outreau, qui va paraître prochainement, qu'est-ce qu'à l'occasion finalement, de l'écriture de ce livre, tu as pu découvrir précisément par rapport au meurtre de cette petite fille en 1999 qui s'appelait Zaya. Qu'est-ce que tu as découvert à l'occasion de l'instruction de l'écriture de ce livre? Ben, j'ai découvert la même chose, c'est-à-dire que sur ce point précis, toute la littérature que j'ai relue, toute la littérature que j'ai relue sur Outreau et qui portait sur le meurtre de la petite fille a menti. C'est-à-dire ce meurtre a été volontairement maquillé, caché. Les comptes rendus d'audition ont été falsifiés, etc. Ça va très loin, hein, si. Laurence Aubenas, ça, enfin dans un autre domaine, à propos de tout le versant, la ferme belge qui se trouvait dans la région d'Ypres, Florence Aubenas a falsifié des PV authentiques, mais j'ai la preuve. Bon, alors, elle les a falsifiés sur des détails, mais ça, le sens a changé complètement. Alors, sur le meurtre de la petite fille, qui pour moi ne fait pas de doute, même si c'est terrible à admettre, c'est pareil. Toute ce que j'appelle la littérature, même si c'est pas très littéraire, tout ce qui a été dit sur ce pan particulier de l'affaire sur le meurtre d'une petite fille a été falsifié. Tout. Tout le monde a menti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de. J'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a encore des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a voulu cacher l'existence de ce meurtre. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir répondu, hein. Mais Oui. disons que je te laisse évidemment répondre en fonction de ce que tu sais, de ce que tu peux entre guillemets dire. Il ne s'agit pas évidemment d'aller au-delà de ce que l'on de la vérité, mais la question évidemment que j'ai envie de me poser aussi, ou que j'ai envie de te poser, c'est par rapport évidemment à ce meurtre de cette fille, effectivement, c'est 1999. Donc de nouveau, est-ce que ça a encore entre guillemets une incidence au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une affaire autrement dit, j'ai envie de dire purement ancienne et que maintenant quelque part tous les dysfonctionnements qui ont pu être dénoncés à l'époque, ces dysfonctionnements ont été résolus ou bien encore au jour d'aujourd'hui, ce type de problème peut ressurgir? Est-ce qu'il y a encore des ramifications possibles au jour d'aujourd'hui? Enfin, est-ce que quelque part effectivement on a pu tourner la page sur des dysfonctionnements ou bien est-ce que la réalité malheureusement existe encore même si éventuellement elle est cachée? Cette histoire de meurtre de petite fille, il y a quand même beaucoup de possibilités pour que ça revienne pas dans l'actualité. Les parents, on ne sait pas d'où ils viennent. C'était une petite fille, peut-être d'origine étrangère, peut-être une fille de migrant. On saura sans doute jamais. Mais ce que je voulais faire, moi, c'est lui donner aussi une réalité à cet enfant quand même. Elle avait 5-6 ans. On a toujours prétendu qu'elle n'existait pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a un côté moral. Lui donner une existence, la nommer. Voilà, c'est une sorte de fantôme. Alors, bon, je ne suis pas sûr que ce soit un fantôme qui hante la conscience de notre ministre de la Justice actuelle. Parce que lui, bon, bah, je ne sais pas pourquoi il a marché là-dedans. Enfin. Je peux pas non plus tout dire parce que ce sont des hypothèses, hein. Moi, j'ai que des hypothèses. Mes seules convictions, mes seules certitudes, c'est le dossier d'instruction d'un côté et la littérature de l'autre. Tout le monde a menti. Alors donc, pourquoi cacher tout ça? Et j'ai pas d'autre explication que le contexte de l'époque, le contexte du trou. Alors aujourd'hui, bah si, ça pourrait se reproduire. Est-ce que ça serait traité de la même façon? Je ne suis pas certain non plus parce que on a pris 20 ans de retard en France, mais aujourd'hui, avec des personnalités comme Édouard Durand, etc., tous les travaux qui sont faits, ça revient malgré tout. Il y a presque un psychiatre parlerait d'un retour du refoulé. Il y a quelque chose qui revient à la surface. Et puis,
Il y a eu les livres de Vanessa Springora, de Camille Kouchner, sur les violences sexuelles sur enfants, etc. Masneff, Polanski, Hamilton, tout ça est revenu, mais on a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et puis surtout, on a beaucoup menti sur des choses aussi graves que ça. Je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est en train de rentrer dans l'histoire. Et si c'est rentré dans l'histoire, ça veut dire que normalement, on devrait pouvoir l'examiner sans passion, calmement. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, ça fait 20 ans, mais moi, je me fais toujours insulter sur mes blogs ou sur Facebook, ou notamment, mais sur mes blogs Mediapart. J'ai encore un billet qui a été. Et j'aime beaucoup Mediapart, hein, mais j'ai encore un billet qui a été dépublié, parce que je parlais de Pierre Berger, de Yves Saint Laurent, du pasteur Doucet, de toutes ces sales histoires qui sont rentrées dans l'histoire judiciaire française. Mais on a encore aujourd'hui, vraisemblablement quelque part, dans le paysage politique français, des acteurs vivants de cette période. Je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai un en tête. Donc, Alors, c'est bien. comme disait Luc Ferry, peut-être tout le monde sait de qui il s'agit. Oui, c'est ça. Et peut-être aussi, Jacques, parce qu'évidemment, quand il s'agit entre guillemets d'un fait divers, la question qui se pose toujours, évidemment, c'est de savoir s'il y a des ramifications, s'il y a des complicités à plusieurs niveaux, en ce compris sur le plan judiciaire, étatique, et pas simplement quelques complices et quelques particuliers qui, effectivement, permettent évidemment à ce type de criminalité de prospérer, entre guillemets, et de voir évidemment si ce type de complicité au jour d'aujourd'hui existe encore, serait encore possible ou pas, histoire de se faire une idée un peu plus concrète, un peu plus exhaustive, j'ai envie de la situation. C'est important quand on essaye d'y voir clair, de pouvoir pointer évidemment les responsabilités à quelque niveau qu'elles se trouvent. Ben, je peux pas répondre. Je pense que ça serait une affaire comme ça serait traitée certainement différemment. La plupart du temps, on les étouffe dans l'œuf. C'est-à-dire que on n'est pas au courant. L'affaire d'Outreau, manque de bol. Enfin pour eux, quand je dis eux, hein, c'est pas, c'est des gens qui avaient des intérêts politiques aussi. Hein. C'est pas tous des pédophiles quand même. Hein. Mais on l'étouffe. Les histoires dont je parlais tout à l'heure, Marrakech, tout ça, c'est étouffé. C'est étouffé. Mais il y a aussi des gens, certainement, qui se tiennent un peu par la barbichette. C'est-à-dire, j'ai un dossier sur toi, bon, là, bah oui, mais moi aussi, et patati, patalo. C'est banal. C'est banal. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde en politique. Hein. C'est comme ça qu'on tient les gens. Alors, si ça devait se reproduire, je ne sais pas. Je lis pas dans le marc de café. Je ne sais pas. Ben, je suis pas sûr que l'affaire d'Outreau nous ait appris quelque chose. C'est ça mon souci, c'est que je pense que ça ne nous a absolument rien appris, que le grand public est à l'abri de tout ce que nous racontons, parce que nous sommes un peu informés, mais que le grand public est à l'abri quand on demande aux gens l'affaire d'Outreau. Ah oui, le fiasco, oh là là, mon Dieu, oh là là, c'est terrible, ces pauvres gens qui n'ont rien fait, des enfants menteurs, et blabla, le juge incompétent, trop jeune, les experts incapables. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de doxa. Ça passe, hein. Ça passe. Moi, je voudrais que les gens comprennent qu'ils se sont fait avoir. On les a trompés. Le public de l'époque a été trompé. Le citoyen a été trompé. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est extrêmement grave. Et Sur le dos des enfants. c'est justement un peu ce que tu essaies peut-être de pointer dans ton livre, justement, puisqu'il s'agit des imposteurs d'Outreau. Voilà, l'idée quand même de pointer effectivement du doigt quels sont ces imposteurs et pourquoi ce sont des imposteurs. Et ces imposteurs se situent, j'imagine, effectivement à différents niveaux. À différents niveaux. Oui, j'hésite entre imposteur ou faussaire, je ne sais pas, hein, ce n'est pas les mots qui manquent pour désigner ça, mais oui, certainement à différents niveaux. On voit que quand même, y a un téléguidage, il y a un téléguidage politique parce que l'intérêt des enfants passe un petit peu après. Évidemment, un petit peu après, des considérations beaucoup plus importantes politiquement, c'est-à-dire le risque de l'explosion du pays dans le contexte de l'époque. Hein, la marche blanche aurait été la marche rouge à Paris. Hein. Ça n'aurait pas été 600 000 personnes, ça aurait été des millions. Et puis,
Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que les Français ont un peu le sang chaud aussi, tout ça. Bon, bah, avec leur histoire, il fallait pas que ça arrive. Il fallait aucun prix que ça arrive, même si bah, ça freinait la lutte contre la pédocriminalité ou peut-être même des réseaux. Alors, quand je parle de réseaux, c'est des petits réseaux, hein. Il y a eu des vidéos qui ont été faites, des vidéos qui ont été. Des vidéos pédopornographiques ont été écoulées, ça se vend bien sous le manteau. Je ne connais pas la manière dont ça s'est passé, mais c'est avéré, hein, c'est avéré. Donc voilà. Donc des complicités à quel niveau, je ne sais pas. C'est-à-dire les choses que dont je suis pas sûr, je ne peux pas en parler. Bien sûr, il faut effectivement être prudent, être bien informé avant de s'exprimer. Et ce livre, en fait, Jacques, il est prévu, la sortie est prévue prochainement. Ça se passe comment? Ça se passe bien, mais tant que je l'ai entre les mains, je rajoute. Ça se passe bien. Le tout, la question, c'est la publicité que je voudrais en faire. Il n'est pas sûr que j'ai envie, dans le contexte politique français actuel, je vais dire les choses comme je les vois, hein. Je vais parler franchement. C'est quelque chose d'explosif. Qui pourrait être utilisé par n'importe qui. Par n'importe qui. Je préfère attendre peut-être que les élections soient passées, que la tension soit retombée, tu sais, autour de candidatures comme celle de Zemmour. Bon, il y a tout ça. C'est, je veux dire, il y a des gens mal intentionnés qui pourraient se servir de ce type de travail, hein, parce qu'ils y trouveront un intérêt politique. En plus, bon, c'est des petits-enfants, alors c'est formidable, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais j'ai pas envie que mon travail soit utilisé par n'importe qui, donc je veux peut-être attendre, oui, la période électorale soit terminée en France pour le publier. J'ai déjà un éditeur, ça devrait bien se passer. Et puis on verra, parce que bon, c'est mon troisième livre hein, quand même, et c'est pas un scoop de dire que ça ne se vend absolument pas. C'est évidemment pas le but, évidemment, de faire le Ben non. buzz et que ça se vend. C'est sûr que ce Ben sera oui, pas mais j'aimerais le. bien que les gens le lisent alors qu'ils se le prêtent ou qu'ils le volent. Hein. Peut-être, je sais pas, qu'ils se débrouillent, mais j'aimerais bien que ça soit lu. J'ai Mais écrit oui, le quand même. premier. J'ai écrit le premier avec mon ami. Je t'interromps. J'ai écrit le premier avec mon ami Jacques Cuvillier qui s'appelle Outre-Angle Mort, qui est toujours en librairie. Le deuxième avec Shérif Delay. Badawi, qui est l'aîné des enfants d'Outreau, un livre qui s'appelle Guernica dans la tête, et puis le troisième qui va sortir. Donc je fais partie des bons connaisseurs de l'histoire, et je connais pas mal d'acteurs de cette affaire, donc ça va, j'ai réussi à m'informer tout à fait correctement, mais il faut rester extrêmement prudent, et je dirais extrêmement factuel. Factuel. C'est pas une contre-enquête que je fais, je n'ai pas revu l'enquête de Burgos, j'en suis incapable. Je ne suis pas un professionnel de la justice. Mais simplement, j'enseignais la littérature et le français, donc je sais lire. Hein. Je sais lire, voilà, quand Myriam Badawi c'est noir, dit c'est noir, eh ben, elle dit c'est noir. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai. Mais quand dans la littérature on dit eh, Myriam Badawi a dit c'est blanc, eh ben, là je sais que c'est faux. Voilà, et c'est quand même très intriguant. C'est très inquiétant, très inquiétant. Et en finale, en fait, la rédaction de cet ouvrage t'aura pris combien de temps? Alors là, oh, disons que je travaille sur l'affaire depuis 7 ans et ce livre-là m'aura pris 4 ans. 4 ans. Mais voilà, j'ai le temps, hein. Tu peux éventuellement nous dresser brièvement la table des matières de ce livre pour qu'on ait un petit peu déjà une idée, ou bien tu préfères pas, c'est prématuré? Non, c'est pas prématuré, mais si tu veux, ce que je fais d'abord, c'est que je retranscris. Ah oui, je t'avais raconté qu'on avait reçu le dossier d'instruction dans la boîte aux lettres de Jacques. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu veux, à partir de là, bon, bah, j'ai consulté les 30 000 pages et donc j'ai regardé tout ce qui concernait le meurtre de cette petite fille. Et le livre commence simplement avec les pièces originales du dossier d'instruction, à savoir le témoignage de Daniel Legrand, fils,
Et le témoignage de Myriam Badawi, alors qu'ils ne se sont pas concertés. Daniel Legrand est en prison à l'époque, il écrit au juge et il écrit aux télévisions. Il écrit aux journalistes pour dire « j'ai assisté à un meurtre », etc., etc. Donc le juge le convoque, l'interroge, et voilà. Et le jeune Daniel va tout raconter. Ensuite, le juge Burgot convoque Myriam Badawi et l'interroge de la même façon. Et là, elle reconnaît, effectivement, elle n'avait pas dit avant, mais comme Daniel Legrand a parlé, bah, elle dit, comme il a parlé, moi je vais parler aussi. Effectivement, ça s'est passé comme ça, et puis il y a 3 pages d'audition. Voilà. Donc ça, le livre commence comme ça. Alors, il y a un petit chapitre sur le complotisme qui est un peu, pour nous, enfin, comment dire, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce que il faut dire que cette affaire de trop, c'est un rêve de complotiste. Hein. Ça, il n'y a pas mieux, hein, parce que s'il y a des gens compromis jusqu'en haut de l'État, ça, il y a des complotistes qui vont être contents, qui vont voir la confirmation de certains de leurs délires, hein, quand même. Mais bon, la question, c'est est-ce que les complots n'existent pas? Ben, si, il y en a, simplement, il ne faut pas en voir partout. Mais est-ce que l'affaire d'Outreau est un complot? Bah, je ne sais pas, c'est les lecteurs qui le diront après. Hein. Alors, il y a tout ça, c'est très factuel. Et puis, alors après, bah, il va y avoir tout ce qui est relaté dans la littérature. Ça, c'est la grosse partie du livre. Chez Florence Aubenas, chez Acacio Pereira. Acacio Pereira est chroniqueur judiciaire du Monde à l'époque. Et 2 mois après la fin du procès de Saint-Omer, il publie. C'est-à-dire qu'en 2 mois, il a réussi à se farcir les 30 000 pages du dossier d'instruction et à écrire un livre. Chapeau, hein. Moi, non, moi j'ai mis des années. Hein. Donc, il est chroniqueur judiciaire du Monde, il publie en septembre. Et puis ensuite, bah, tous les autres vont publier les uns après les autres. Et Florence Aubenas, elle ne peut rien faire de particulier puisqu'elle est otage, donc elle va être libérée. Et dès qu'elle est libérée, elle se remet à la rédaction de La Méprise, hein, son livre qui va être un gros succès de librairie et qui paraît un mois seulement avant l'appel de Paris. C'est-à-dire tous ces ouvrages vont forcément avoir une influence sur la décision de justice. Ça pose des questions quand même extrêmement graves. Hein. C'est sur l'indépendance de la justice, hein, qui est quand même sensible aussi, malgré tout, au mouvement d'opinion. Hein. Voir que le procureur général Yves Bott s'est excusé alors que le verdict n'était pas encore à Paris, en appel, tu connais l'histoire, quoi. Il a fait une petite conférence de presse en disant « on s'excuse, on s'est trompé, nanana, nanana ». Ah oui, mais sauf que les jurés ne s'étaient pas réunis et n'avaient pas donné leur verdict. Alors ça la fout mal quand même. C'était sur des rails, quoi. C'était incroyable. C'était déjà sur des rails, ils étaient acquittés d'avance. On se demande pourquoi c'était la peine de faire un procès, c'était pour la forme. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y aura tout ça dans le livre, mais il y a une grande part qui, effectivement, parle de toute la littérature. Il y a une vingtaine d'ouvrages. Et il y en a 3 ou 4 qui sont sérieux, objectifs, mais les 3 ou 4 sérieux objectifs sont sortis après les décisions de justice, donc ne pouvaient plus avoir d'influence sur le cours normal d'une justice indépendante. Les autres sont passés avant et on se demande comment c'est possible. Il y a même des auteurs qui sont 2 jeunes journalistes, Trappier et Barret, qui étaient journalistes au JDD, qui ont écrit un truc absolument énorme, qui s'appelle Le calvaire des accusés d'Outreau, des innocents, oui, c'est ça. Le calvaire des innocents d'Outreau. Ça, avant l'appel, hein. C'est pas mal de les déclarer innocents avant l'appel. 700 pages, absolument insupportables, un torchon, une véritable caricature. Je pense que c'est un travail de commande, mais ils disent dans leur préface qu'ils se sont affranchis de la... ils se sont cru autorisés à s'affranchir de la vérité judiciaire dite à Saint-Omer. Ah bon? Mais pourquoi? qui les a autorisés à s'affranchir de la vérité judiciaire? C'est nouveau, ça. Une vérité judiciaire, si on la conteste, il faut voir les ennuis qu'on peut avoir. Donc, c'est une vérité judiciaire. Il y a eu, je ne sais pas combien de condamnés à Saint-Omer, ils étaient 6, hein, je crois, plus bon, les 4 qui n'ont pas fait appel, ils étaient 10. Ben voilà, on ne conteste pas une vérité judiciaire, c'est comme ça. Après, bon, ben, y a l'appel, on attend l'appel. Eh ben non, tout le monde, tranquillement, dit oh, non, ils sont innocents. Ils sont innocents avant même de passer en procès.
Ouais. Une caricature, hein, c'est tellement énorme. Et alors, tout ça, c'est plus c'est gros, plus ça passe. On dit, c'est passé comme une lettre à la poste dans l'opinion publique, puisque tous les médias disaient la même chose. Les radios, les télés, les journaux, les bouquins, tout disait la même chose. Plus le film avec Torreton, là, sur l'huissier Marécot, là aussi, qui a eu 350 000 entrées la première semaine en France, quoi. C'était un énorme succès. Tout le monde a pleuré, nanana, comme c'est triste, alors que les enfants, dans ce film-là, on n'en parle absolument pas. Les enfants, c'est quand même les acteurs qui sont passés à la trappe, parce que c'était pas des enfants de notables. C'était des enfants de. C'était pas voilà, le frère de Camille Kouchner, c'était pas ces gens-là, c'était des gosses de HLM. Et il y a un procureur qui disait à l'époque, là-bas, on se tape un gosse comme on se tape une bière. Alors ça a fait scandale. C'est une réalité que le citoyen normal a du mal à saisir, à voir en face. Hein. C'est quand même, c'est tellement insupportable qu'on préfère le déni. Et puis les prises de conscience, évidemment, sont extrêmement longues, complexes. Il faut d'abord être correctement informé pour prendre conscience. Si évidemment l'émotion est extrêmement forte, si évidemment on a l'impression que tout ça paraît absolument incroyable, du coup on va avoir du mal évidemment à digérer ce Absolument. genre de, ce genre de Absolument. fait. On voit bien que MeToo, etc., que tout ça prend énormément de temps dans la société pour qu'à un Mmh. moment donné les marges bougent, quoi, et que les prises de conscience, effectivement, Mmh. se font petit à petit. Donc imaginez aussi évidemment l'envergure que ça peut prendre par rapport effectivement à des crimes commis à l'égard d'enfants. Ça paraît tellement inimaginable en fait aussi, hein, sans compter le fait que très très longtemps l'enfant justement n'avait pas le droit de parole et quelque part sa parole n'était pas effectivement audible. Et peut-être que dans l'affaire d'Outreau, il y avait encore un petit peu de ça aussi, le fait que un enfant, de toute façon, que vaut la parole d'un enfant par rapport à la parole d'un adulte, quoi. Il faut du temps pour que l'enfant ait trouvé sa place aussi dans la mécanique judiciaire. C'est ça, c'est ça. Et c'est là que ma petite expérience, en tout cas littéraire, sur la Shoah, est revenue dans ma mémoire. Je me suis rendu compte comment aussi les crimes nazis, à toute proportion gardée, bien entendu, il ne s'agit pas de comparer, mais en tout cas les mécanismes sont comparables. C'est-à-dire le mécanisme du déni devant des crimes du sans nom, hein, d'une horreur sans nom. Comment après-guerre, on a dit non. Beaucoup de personnes ont dit non, ça suffit, c'est pas possible, on peut pas faire des lampadaires avec la peau des détenus, non, on peut pas faire du savon avec la graisse des détenus. Ça, arrêtez vos délires, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Or, c'était ce qui s'était passé, mais je dirais que c'est l'énormité du crime qui le protège. C'est tellement gros, c'est tellement monstrueux, c'est tellement barbare et inhumain. Que l'être humain normalement constitué ne parvient pas à accepter ça. Et moi, j'ai mis du temps à accepter. Mais comme j'avais un peu cette expérience de ce qui s'était passé de la littérature des concentrationnaires, ça m'a servi, du coup, à comprendre, voilà. Quand un enfant dit qu'il a été violé par un chien, eh ben, il faut l'entendre. Même si ça paraît. Alors évidemment, il y a des avocats qui ont sauté là-dessus pour se moquer en disant oui, puis tu as été violé par un kangourou, puis un hippopotame, ou je sais pas quoi. Ouais, bon, des trucs un peu dégueulasses. Et l'enfant, ben, il est déstabilisé. Mais un viol par un chien, il y avait ça dans les camps. Hein. Malheureusement, dans l'horreur, tout a existé. Donc, mais simplement, voilà, on se protège. Hein, en fait, on protège notre humanité. De ces horreurs commises par d'autres humains, des humains qui nous ressemblent. Oui, et puis a priori, c'est qu'il y a des horreurs qui sont évidemment cachées et qui se commettent évidemment entre personnes entre guillemets consentantes qui effectivement sont des criminels. Donc le reste de la société, par hypothèse, n'est pas forcément informé évidemment de ces maltraitances-là et encore moins de l'ampleur que ça peut avoir. Et on parle d'ailleurs souvent de faits divers, d'où la difficulté aussi de voir qu'éventuellement il peut y avoir des réseaux. Ça, c'est encore aussi un autre aspect, de se dire, bon, ok, on admet la parole de l'enfant, on admet qu'il y a eu
un problème, et c'est limité, c'est un fait divers, et ça peut arriver n'importe où, mais ça reste effectivement tout à fait isolé. Ça aussi, la question criminogène, une sorte de tissu, de toile d'araignée, de phénomènes pédocriminels plus amples, ça c'est aussi quelque chose de très compliqué à comprendre si on ne s'intéresse pas à la question ou si simplement les médias n'en parlent pas. Oui. En tout cas, c'est un sujet glissant. C'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement prudent, non seulement quant à l'utilisation qui pourrait être faite de toutes ces horreurs, mais il faut être extrêmement prudent avec les faits, hein. Si... Moi, je n'avance dans mon livre que des choses qui sont sûres et certaines. Alors après, évidemment, dans la suite de mon livre, après tout ça, je propose des interprétations. Une grille d'analyse de compréhension, c'est-à-dire qu'on avait cette affaire a été traitée comme un scandale potentiellement enfin, politique, quoi, hein, politique. Alors, est-ce qu'il y avait des personnalités compromises dans l'affaire d'Outreau? On me l'a dit. Bon, j'ai des idées, mais je ne peux pas dire puisque je suis pas sûr. Je suis pas sûr. À la même époque, il y a eu une affaire à Angers. Je sais pas, t'as entendu parler, une affaire un peu similaire à Angers. Il y a eu un procès et là, il y a eu, je sais pas loin d'une soixantaine de personnes qui ont été. Ça a été l'affaire d'Angers a été traitée correctement. Voilà. C'est-à-dire les pédocriminels ont été punis, sont allés en prison, etc. On a nettoyé le truc. L'affaire d'Outreau, ça n'a pas été traité correctement. Il y a des teneurs du barreau qui sont arrivés pour défendre des gens. Bon, voilà, on se demande ce qu'ils venaient faire là, les teneurs de Lille, les Dupond-Moretti, les Delarue, ça c'était Amiens, mais les Bertons, tout ça, qu'est-ce qu'ils venaient faire dans cette affaire-là? On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Moi, j'ai assisté au procès de Rennes, qui est le troisième procès donc, qui concernait Daniel Legrand. Mais quand je rentrais à l'hôtel le soir avec ma femme et que j'écoutais la télévision et les informations, alors que je venais d'assister au procès, je me disais, mais ils ne parlent pas de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu dans la journée. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Enfin, c'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas dire que tous les journalistes sont compromis quand même, hein. Bon, mais je pense que c'était attention, attention avec ce truc. Ça va nous exploser la figure. Alors, soyons très, très, très prudents avec cette affaire d'Outreau, là. C'est pas bon. Voilà, allez, vite que ça se termine, on va la quitter, terminer, on passe à autre chose. Hein. Eh bien, alors là, manque de bol, il y a Franck Lavier, ça t'es au courant, Franck Lavier, un des acquittés. Il a été condamné à Saint-Omer, il a été acquitté en appel à Paris, il a été indemnisé largement, très très largement. Et puis là, il a été recondamné en 2000, je ne sais plus combien, pour violence sur deux de ses enfants, et puis incitation de mineurs à la débauche, et condamné à du sursis. Et là, il va repasser aux assises pour le viol présumé d'une de ses filles, Franck Lavier. Acquitté d'Outreau, qui passe aux assises après avoir été dédommagé et avoir reçu les excuses officielles du président Chirac, le mec il repasse aux assises, ça la fout bien quand même. Alors il y en a qui doivent se dire, ce gars-là, mon Dieu, mais on n'y arrivera jamais avec lui, il est incorrigible, c'est pas possible. Et là, c'est sa fille qui l'accuse, elle n'a pas retiré sa plainte. Hein. Elle est majeure. Et ce qui m'a interpellé aussi, en fait, justement, tu parles d'indemnisation, mais c'est indemnisation justement réservée aux parties civiles qui, effectivement, ont été reconnues comme étant des mineurs violés. Et les indemnités, évidemment, sont absolument ridicules quand on sait que c'est toute une vie qui est détruite. Là, on a un peu l'impression aussi qu'il y a deux poids, deux mesures. L'indemnisation pour la victime mineure et puis l'indemnisation pour celui qui a été poursuivi, qui se trouve acquitté. On a l'impression que la personne qui est effectivement acquitté après avoir été poursuivi, et finalement, on prend plus on prend facilement en cause, enfin, on prend facilement, on fait plus facilement attention effectivement à son dommage qu'au dommage, je dirais, qui était occasionné à l'enfant lui-même, qui pour le coup était mineur, donc qui n'a peut-être pas non plus tout le recul et la capacité de se reconstruire facilement. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai un petit peu travaillé le dossier. Oui, mais tu parles de deux poids, deux mesures, mais t'es pas tombé de la dernière pluie.
Deux poids, deux mesures, c'est souvent que ça existe, deux poids, deux mesures. C'est souvent. Et des pauvres gamins de lumpen, de prolétariat, de sous-banlieue, de Boulogne-sur-Mer, des milieux complètement à la ramasse, quoi. Je veux dire, faut voir, hein. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas quelques gens bien placés autour qui profitaient de ça, mais en tout cas, c'est ça. Donc, on leur file 30 000 euros aux enfants, puis alors, hop, débrouille-toi après, quoi. Les acquitter, en plus des excuses de Chirac, d'une visite chez Villepin, quand même, tout ça, c'est quand même assez sympa. Ils ont touché à peu près, pas loin de 800 000 euros chacun. C'est-à-dire, comme un couple comme les Laviers, ils ont pu s'acheter une grosse baraque. Ben, ils ne sont pas mis à travailler pour autant, mais si tu veux, ils ont pu acheter Game Boy, machin, grosse téloche, et ils ont continué à... Enfin bon, je ne sais pas, ça va passer sur YouTube, alors il ne faut pas que j'aille trop loin, mais bon, voilà, ça c'est une chose... Alors les sommes ont été cachées, mais on sait qu'il y a à peu près 10 millions, donc ça doit faire voilà, entre 500 000 et 800 000 euros par personne. C'est bien, c'est pas mal hein, quand même d'indemnité. Alors évidemment, on va dire, ils ont fait de la prison, ils sont innocents, ils ont fait de la prison. Alors, évidemment, ça, c'est le syndrome de l'affaire Dreyfus qui est remis en France. Quoi. Ouais. Mettre des gens qui n'ont rien fait en prison, ça, les Français sont traumatisés depuis l'affaire Dreyfus. Alors, ça existe, mais malheureusement, c'est terrible. Mais Patrick Dils, par exemple, qui était pas coupable et qui a été indemnisé, bah, il a eu 10 fois moins. Une fois moins, pourtant il a passé à peu près autant de temps en prison. Donc là, visiblement, il fallait. Alors après, on peut interpréter, hein, est-ce que c'était pour qu'il parle pas trop, est-ce que bon. Moi, j'interprète le moins possible, parce que là, on risque peut-être de se tromper. Il faut mieux en rester à des choses factuelles. Donc, ils ont été largement indemnisés. Voilà, bon, bah, c'est très bien. Ouais. Mais les enfants, évidemment, beaucoup moins. Quoi. Ouais. Beaucoup moins. Bon, Jacques, on peut évidemment pas voir, je dirais, dans son ensemble l'affaire d'Outreau, ni même évidemment dans son ensemble ce qu'il y a dans ton livre à paraître, mais tu as le sentiment ici que dans le cadre de notre échange, on a quand même pu aborder les éléments qui te paraissaient essentiels, ou tu souhaites encore ajouter un élément important? Ah non, je crois que j'ai dit l'essentiel. Bon, j'ai peut-être pas. J'essaie de rester prudent. Hein. C'est une affaire extrêmement délicate, et il faut être extrêmement prudent. Il faut être tout à fait sûr de ce que l'on affirme, parce que ça pourrait être utilisé par n'importe qui et n'importe comment. D'accord. Donc moi, je ne veux pas donner du grain à moudre à des complotistes. C'est pas ça. C'est pas. Non, mais ça on a. Et simplement, cette affaire a été traitée comme quand on essaye d'étouffer un scandale politique. Et on a d'autres exemples en politique de choses qui ont été étouffées ou qui ont été voilà. Bon, ça abonde. Hein. Voilà. Okay. C'est tout. Mais là, pour terminer, oui, c'est les enfants qui m'intéressent, les enfants victimes et puis tous les enfants. Voilà, il faut absolument que les enfants soient protégés, quel que soit le milieu auquel ils appartiennent. Hein. Il faut que ça soit signalé. Et là, on compte tous sur le travail d'Edouard Durand pour faire avancer les choses et qu'on ait enfin une prise de conscience en France que c'est un problème de santé publique, hein, ça, cette affaire-là. C'est pas une histoire uniquement judiciaire, hein, c'est un problème de santé publique. On doit protéger les enfants, tous les professeurs le savent, les instituteurs, les parents le savent. Ben, il faut travailler là-dessus. Et on a pris beaucoup de retard. On a pris 20 ans de retard avec le traitement de l'affaire d'Outreau telle que l'affaire a été traitée en France. Voilà. D'accord. Je terminerai là-dessus et je te remercie infiniment. Mais merci à toi, Jacques, d'avoir accepté effectivement également cet échange. Et puis, du coup, on attend la sortie de ton livre à venir avec impatience, alors. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée à toi. Merci. Au revoir.